Ce jour-là, Elsa était sur le point de découvrir que j'étais son admirateur secret. Depuis quelques jours, Elsa cherchait à rencontrer son admirateur secret par tous les moyens. Et quand ma sœur a une idée, elle n'abandonne jamais. Jamais. Ça ne pouvait plus durer. Il fallait que cet admirateur disparaisse pour de bon. J'allais employer les grands moyens. J'allais lui présenter Vincent. Profession, acteur. Il allait incarner l'admirateur le temps d'une après-midi. Sa mission, dégoûter Elsa, la décevoir, la faire fuir. Mais sans lui briser le cœur, j'avais utilisé mon palais absolu pour lui préparer une après-midi dégoûtante. L'admirateur lui avait donné rendez-vous sur un banc. Elsa s'était faite belle pour lui. Et lui, il avait fait de très gros efforts. Vincent était à fond dans le rôle. Il a dit « Salut, ça va ?» Mais elle était sous le charme. C'était pas gagné. Mais l'après-midi ne faisait que commencer. Vincent lui a montré son quartier, pour qu'Elsa le connaisse un peu mieux. Il lui a montré là où il s'inspirait pour écrire ses lettres, là où il vivait, là où il allait aux toilettes quand les ciels étaient bouchés. Je reviens. Là où il faisait son sport. Il lui a montré ses tatouages, à la cheville, à l'épaule et sur les fesses. Mais Elsa adorait la balade. Vincent ne savait plus quoi faire. Alors, il a improvisé. Il a essayé d'être méchant. Mais il improvisait mal. Et Elsa lui pardonnait tout. Alors, j'ai sorti mon joker. Le bar préféré de l'admirateur. Cantada 2. Le premier pas vers l'enfer. Elle a eu un peu peur. Elsa était toujours à sa première tasse de thé et l'admirateur avait déjà bu 4 bières. Et c'était maintenant l'heure de l'apéritif. Des insectes, des molitors et des grillons. Et voilà, l'admirateur l'avait dégoûté. Victoire! J'ai félicité Vincent. Et je l'ai payé. Il était cher, mais ça valait le coup. J'étais enfin débarrassée de cet admirateur secret. Tout était rentré dans l'ordre. Ouf, ce jour-là, j'avais failli oublier mon chapeau. Heureusement, mon admirateur était encore là. Des molitors. Mes insectes préférés.